Et bien, ça qui passe là, c'est que j'ai m'te annoncé lui. Gagne bagay, nous-mêmes, nous pas connaît, nous pas spécialistes dans tout domaine. Gagne bagay, lorsque nous besoin connaît yo, nous cherchons moun qui plus connaît. Parce que, pas oublier, je dis, nous avons une forte communauté haïtienne qui est au Canada, en particulier à Montréal. Gagne quantité, et avant-hier, nous étions à Montréal, nous étions saisis, ouais, quantité haïtien qui a évolué dans la zone Sahara. Et surtout en pile amis sorti Chili, Mexique qui gain chance rentrer aux États-Unis qui passer mais destination finale là c'est Canada parce que yo dit que Canada joine papier à plus facilité nous pral regarder ça et ça te fait question immigration c'est pas branche pas nous gain avec nous consultant réglementé en immigration canadienne n'a parlé de maître de Jean-Marie Hercule bien sûr qui lui-même gagne bureau qui trouvait la Montréal comme consultant nous pral regarder qui ça baillé monsieur Jean-Marie Hercule bonsoir et bienvenue comment nous y est son plaisir pour avoir dans cadre d'émission Ticozac TT bonsoir et bienvenue bonsoir Teriel bonsoir à tout auditeur qui a écouté Roman Mpemba émission ça sur toute planète là parce que monde qui a peut nous en Afrique en Amérique du Nord en Amérique latine. C'est un plaisir pour nous capables de parler avec vous après-midi, pour nous capables de parler de l'immigration et nous prêts pour nous faire un bon petit causer. Merci de m'avoir reçu à votre émission, M. Teriel. Merci beaucoup. Merci et bienvenue. C'est un plaisir. Eh bien, rapidement, dis-nous non, Gampil, mon capitaine d'eau, parce que je pense que c'est plus bon si c'est vous présenter au bail public là, pour qu'on a qui est-ce qui a parlé exactement. Est-ce que samedi a c'est ça ou c'est consultant ou bien bureau à Montréal? Ben non, petit détail ou c'est qui est dans quel domaine on va évoluer exactement? Merci beaucoup. Non pas c'est Jean-Marie Hercule. Moi c'est consultant réglementé en immigration canadienne. Moi j'ai un permis du gouvernement fédéral avec un cas conseiller mon partout dans tout le Canada, 10 provinces ou territoires. Moi j'ai également un permis du gouvernement provincial, la carrière de sa state, au Canada, c'est province. C'est-à-dire que, moi, là, en tant que, yon spécialiste du droit de l'immigration, bureau m'chita dans Montréal, dans province Québec, au Canada, ou bien dans quartier Saint-Michel, que tout le monde connaît. Donc, c'est là, n'a pas évolué. Et puis, 2013, officiellement, nous avons permis, nous, pour nous aider, la grande majorité haïtienne, mais qu'ils soient africains, n'importe monde qui ont besoin en matière d'immigration, nous là pour nous conseiller yo, accompagner yo, aider yo. Et c'était une fois comprendre que au Canada, il y a trois types de professionnels qui accompagnent les gens dans la demande d'immigration. Nous-mêmes, les consultants réglementaires d'immigration canadienne, nous à l'école du droit de l'immigration, le gouvernement fait passer nos examens et puis nous avons permis. Le deuxième groupe, c'est les notaires du Québec. Les notaires du Québec, ils ont accompagné les gens dans le domaine d'immigration. Et troisième catégorie professionnelle, yo, c'est les avocats moun, qui font l'école du barreau, qui portent un titre d'avocat. Donc, c'est très important. Si vous êtes au Chili, au Brésil, en Haïti, peu importe côté où il y a, faut yo rassurer yo que vous faites affaire avec des professionnels qualifiés, autorisés par les deux paliers du gouvernement. Parce que sinon, en matière d'immigration, il y a pile d'argent à faire, il y a pile de monde qui a escroqué le monde. Qui en pile monde cap casser pour être monde donc il parle très important le monde va faire affaire avec le monde en immigration pour connaître de quel ordre professionnel qu'il fait partie parce que ordre professionnel il est là qui est capable de protéger le public là donc c'est ça c'est moi Jean-Marie Hercule et c'est un consultant réglementaire d'immigration canadienne nous va parler de l'immigration merci intéressant et je pense que point ça yo public là besoin yo en pile l'autre monde qui attendait bien sûr haïtien surtout qui est entré à Montréal, je pensais qu'il y a besoin. Mais je dis à Angade, moi, gagné, même genre, question programme Biden là aux États-Unis, moi, gagné, ils ont facilité pour mon rentrée au Canada. Font-ils parler de qui ça va essayer? Est-ce que son programme gouvernemental qui permet que mon yoka rentre sans problème au Canada? Gagné, mon qui dit programme ça campé? Est-ce qu'on gagné un petit détail qu'on capable partager avec mon ça? Aussi autour, en pile, ils me connaissent, soit Chili ou bien Mexique. Qui seulement transité États-Unis, mais qui allait droit au Canada, est-ce que le programme ça continue ou bien est-ce que le campé? Vous n'avez pas une idée sur ça? OK. Je vais décortiquer qui s'allie
Vous comprenez que la fois dernière, j'étais Miami, la Caillou, j'étais passé dans notre émission, quand plus mon tiré, j'ai demandé qui ça bagaille. Eh bien, ce n'est pas un nouveau programme. Soit sur Internet, sur Google, vous tapez projet pilote pour les travailleurs étrangers, bagaille a bien expliqué. Pour son programme qui existe, c'est parmi tout programme que Canada a gagné. Canada a un programme qui est programme des travailleurs étrangers temporaires. Mais, vingé en pile à but qui t'est fait dans le programme ça, qu'on y a gouvernement, il dit qu'il va faire un projet pilote qui t'a supposé rentrer en vigueur depuis le 23 septembre. Mais c'est très important, le programme n'a pas adressé avec mon cabine de travail, mais il est adressé avec les chefs d'entreprise. Faut qu'on ait une entreprise, faut qu'on ait une compagnie, ou qu'on peut dire, ou bien, bon français a dit, le programme s'adresse d'abord aux employeurs. Donc, c'est pas un monde qui connaît, oui, quand formule est là pour me remplir, il n'y a pas qu'une formule qui va le remplir. Le monde qui peut se faire un travail là, c'est pas eux-mêmes qui a pas appliqué. Donc, c'est un employeur au Canada qui doit appliquer auprès du gouvernement. Or, grand pile employeur qui te fait mon abus, la fois pour le voir que un employeur qui pas qu'à appliquer pour eux, un employeur qui perdit permis. Par exemple, il te dit, mon nom, t'as vu un travail au Canada, n'a pas $20 de l'heure. Mais mon nom, vu nous parle $15. Les gens viennent pour te prêter pour mon travail, ils perdent du permis. Ou bien, si mon travail travaille 40 heures par semaine, et puis, les gens nous faire le travail 60 heures. Donc, l'on va respecter les conditions, ça, yo. Or, le Canada, c'est un pays des droits de l'homme. Et puis, je viens pour te prêter, le gouvernement, à l'heure actuelle, qui a un pile employeur, un pile entreprise, qui coupe le permis. Quand le gouvernement dit, pour le monde, pour entreprise appliquer dans le programme, ça commence le 23 septembre, non? Faut qu'on va jamais radier. Faut qu'on t'ait toujours fait mettre des voix au propre. Et, il y a un truc qui est très important, entreprise qui prend l'appli qui est à partir de 23 là, il n'y a pas qu'à prendre Haïtien parce que Haïtien n'a pas fait partie du programme agricole là. Au Canada, chaque année, ils ont fait venir des travailleurs agricoles, mexicains, costaricains, honduriens, mais ils n'ont pas pris Haïtien dans le programme ça. Cependant, à partir de janvier 2024, dans le même projet pilote là, employeurs, mon dit que entreprise yo yo capable appliquer dans toute l'autre catégorie pour tout le monde. Mais ça haïtien, si par exemple mon ta gros famille ici et puis qui connaît une entreprise qui cherche mon n'a qu'à aller vers entreprise ça pour entreprise à appliquer pour famille. Mais qui en plus monde capte de nous ça est très content opportunité ça pour moi hein. Par ailleurs famille ou sur le Canada ou dit pas appliquer pour vous, ça n'a rien à voir avec le programme de Biden. Programme Biden non mon appliquer gratuitement. À moins qu'est-ce qu'il fait affaire avec un professionnel, pour là qu'à charger le montant, le programme ça dit très cher, parce que pour un employeur appliquer, pour un employeur, une entreprise appliquer pour mon cas de travail, il peut se payer $1,000 canadiens auprès des services Canada. Par la suite, faut que c'est au Québec, nous y est. Si c'est au Québec, faut que le gouvernement québécois, parce qu'en matière d'immigration, le Québec, en matière d'immigration, l'immigration est partagée au niveau de la province et le fédéral. Donc, fédéral, je vous le dis, il faut payer $1,000 pour aller chercher documentaires et EIMTA. Il faut payer au Québec. Lorsqu'une jeune lettre, ça veut dire que ça, c'est un document. EIMTA, son document qui dit, c'est une entreprise, qui a pile pénurie au Québec. Je ne peux pas jouer un monde pour travailler. Je ne peux pas jouer un Canadien. Je ne peux pas jouer un résident. Qu'on y est là, puisque je ne peux pas jouer un monde dans le pays pour travailler. Mais pour aller auprès des étrangers. Donc, il y a c'est une offre d'emploi validée, ou bien un bon thème technique, et EIMT, l'étude de l'impact sur le marché du travail. Et ça, bagaille là, il n'y a pas un nouveau programme, son projet pilote, il n'y a pas un programme Biden, non, parce que l'employeur doit payer pour mon cas de travail là, et puis ce n'est pas tout employé qui a fait, mais qui a causé à être. Non, bon, c'est un bon menti. Bon, si c'est ça seul, bon, dit là, pour ça moi ici a fait là cap vendre tout ça au gain cap payer voyage risqué pour $5,000-$6,000 américains à bail moun pour lager l'autre bord de l'eau si on a quelque employé là monsieur demande on 2000 moi c'est la un petit détail ça m'a pas oui, bon exactement ça c'est un bon petit mais, détail pour de bon jeune employé mais qu'il y a ces jeunes employés c'est ça qui va c'est jeune non. Maintenant, oui. Makoto, oui. Oui, m'd'abral dit que. Alors, ça, on parlait du programme ça, qui s'en sort. Programme ça, oui. Qui vient pour reprendre en janvier 2024. C'est ça, dit. J'ai commencé là pour septembre, là, mais c'est volet agricole.
qui okay. Haïtien pas la donne. Oh, Haïtien pas la donne. Je vais 2024, la prend pour non, il va prendre Haïtien dans le programme agricole. Oh. Je sais pas pourquoi, si tu es un précédent, il y a un Mexicain, il y a un plus de temps dans la classe. Par contre, c'est parce que nous avons une grande communauté, si vous venez au 4 été, mais sincèrement, Haïti pas fait partie des programmes agricoles. Rété. Adi, vous n'avez pas besoin d'aller dans le travail pour vous? Je ne connais pas, nous sommes en Palestine, qui a passé 450 000, peut-être en Palestine, qui sont concentrés dans la grande région de Montréal. Si vous venez, est-ce qu'il y a tout le cas de famille? Bref, les Mexicains, les Costa Ricains et d'autres pays qui sont éligibles dans le programme agricole, mais ce n'est pas Haïti pour l'instant. Mais en janvier 2024, toujours une entreprise qui a appliqué pour une famille, c'est possible, par exemple, dans la manufacture ou dans tout autre domaine, sauf agricole. Rete. Eh bien, pas un problème. Kounya an gade vie immigrant yo au Canada. Oui. Si par exemple, moi décide rentrer Canada pour l'instant, comment procéder à yé pour me vivre en moun légal dans le pays pour fonctionner ou mal travail normalement? Parfait. Là, on entre dans 15 sujets. Au Canada, moi-même, je vécu aux États-Unis, je fais comparaison. Hein? J'aime les États-Unis, mais le Canada reste l'un des meilleurs pays au monde. Rete. Sordim là. Non. Il est meilleur pays au monde. Pas qu'à la gueule qu'on s'en met là. Sordim là. Non, pas du lycée, c'est le meilleur, non. Lycée, il est meilleur pays au monde. Lycée, il est meilleur pays. Ok. La même tête. Ah, il n'a pas tiré aller. La Californie, qui c'est un État aux États-Unis, il y a plus de monde que le Canada. Rete. Or, le Canada, c'est le deuxième territoire en termes de superficie après la Russie. Nous avons à peine rendu à 38 millions d'habitants. Or, la Russie, pardon, et la Californie, qui est plus que 38 millions d'habitants. Ouais. Juste pour nous dire que le Canada a besoin de monde. Ouais. La fois dernière, présentement, c'est les libéraux qui ont au pouvoir. Il y a un projet, il dit d'ici 2050, pour rendre le pays rendu à 100 millions. C'est un gros projet. Donc, les accès au Canada est un pile programme. Et contrairement à la caillou. Maintenant, le monde, que tout le monde qui vient ici, il y a des gens qui viennent comme visiteurs. Au moment d'un visa, qui sont privilèges, ils ont rentré dans le pays. Depuis vous rentrez, vous avez fait 6 mois. Après 6 mois, vous avez demandé pour renouveler, vous faites 6 mois. Il y a des gens qui viennent comme travailleurs étrangers. Et il y a des gens qui travaillent, après vous faites le travail, vous demandez, et résidence permanente. Il y a des gens qui viennent comme étudiants. Il y a des gens qui viennent tout, à toute résidence, yo, madame, yo, Mario, petit, yo, comment te faire rentrer. Il y a des gens qui viennent comme travailleur qualifié. Les mêmes, c'est pas ni maman, ni papa, ni mari qui fait l'entrée. C'est lui entrer sous métier. Il y a des gens qui achètent résidence, yo. Là, nous entrons dans l'immigration économique. Les entrepreneurs, il y a des gens qui gagnent 2 800 000 ou prêté gouvernement, sans intérêt, après 5 ans, ils remettent au lit. Mais après, il y a un matin, un petit tour résidence. Si vous parlez tout comme ça, il y a un autre programme, programme des entrepreneurs, ou qu'on 800 000 dollars, vous pouvez qu'on gagne, ou venez créer une entreprise. Par la suite, il y a un bon résidence. Mais entre nous, pas grand pile, clientèle, ça, ou la caille, nous t'étais, nous va pas être menti. Tout le monde nous gagne, c'est visa visiteur, parrainage, étudiant ou travailleur. Mais il faut comprendre que, en 2017, donc, il y a 36 000 personnes qui traversaient les frontières. Dans 36 000 personnes, 90% c'est haïtiens qui entraient dans les frontières, et on est chez Méoxane. Parce que, ils étaient Chili, ils étaient Brésil, ils étaient l'autre pays, ils étaient Haïti, ils ont entré au Canada parce qu'ils comprennent que, il y a plus de chances pour eux régulariser les situations. Et bien, les gens qui ont passé dans les frontières, c'est en vertu de un entente. En 2004, les États-Unis et Canada, ils ont signé une entente. Ils ont l'entente des tiers pays sûrs. Et bien, l'autorité a dit, sous planète là, il y a deux pays qui sont sous planète là, c'est les États-Unis ou le Canada. Le premier pays où on arrive, tout en danger, c'est dans le pays ça pour demander asile. On va traverser le Canada pour demander asile aux États-Unis. On va traverser les États-Unis pour demander asile au Canada. Cependant, c'est des exceptions. Avant, il y a une exception, hein? Mais les gens qui vont être famille, je t'ai passé dans le chemin ou le chemin ou ça, bien, un bon cœur en bas fil. En 2020, en pleine pandémie, si on était au pouvoir, il cassait pour le gouvernement canadien, il dit comme ça, eh bien, depuis on peut demander asile aux États-Unis, il n'y a pas qu'à demander asile au Canada. Et en mois de mars qui s'est passé là, gouvernement américain encore avec M. Biden, il
qui casse mes points le gouvernement canadien, lui dit, chez Méo Xanza, qui tout non pas soi, n'a fait mille. Il fait mille. Kounye là, est-ce que moun va continuer à entrer? Oui, moun continue à entrer. Et ça te bien, ça m'a dit à auditeur, auditeur, capteur d'émission ça, partout sur la planète ça. À l'heure actuelle, si on moun trouve aux États-Unis, ou pas de papier, ou bien ou pas de papier Biden, ou whatever, ou pas de statut, ou cap entrer au Canada, pas dans avion, pas dans bateau, mais par voie terrestre, sans visa, sous une famille au Canada. Et m'a parlé de famille, m'a dit maman, papa, grand-maman, grand-papa, Marie, madame, frères et sœurs, neveux, nièces, tonton, ma tante. Yo pas prend ni cousin ni cousine. Et s'il vous plaît, contrairement avec aux États-Unis qui connaît fiancé avec monde qui marié, le Canada paraît connaître fiancé. Il connaît monde qui placé avec monde qui marié. Non, reprend parti ça. Gè balan pa tout. Gè pil balan di la, moun pa te konnen, non? Parce que ouè, là, nous allons retourner tout à l'heure sur bagay, même programme ça. Parce que, gon zanmi la m'tande ka fè émission, m'baron se views la m'cherche. Li voye tout haïtien fè passeport pour vin nan programme Canada. Tout haïtien, m'tande en pile moun, nous pas tout dans moun. Li di gade, moun ki bete travail, par gon application, m'en ta pas ouè. C'est un journaliste, c'est métier ou kon comment métier a fait. Même pas journaliste. Même son constitué réglementé, mais de droit immigration, m'a mounio les détails de la loi. Et puis tout ça, m'abdoula d'été, va sur Google, tapez en tant que DTP ici, ou après tout, yon moun qui trouve présentement aux États-Unis, qui pague papier, ou bien moun d'un autre gimba et d'un autre, ou l'entrée Canada, par voie terrestre, li possible. Parce que, dans loi m'de doula, qu'on va traverser, y'a go exception. Exception, c'est pour la famille. Si yon ti moun non accompagné arrivé dans la frontière, y'a quitté l'entrée. Sous l'arrivée de frontière là, où tu as maman, papa, ou frère, ou soeur, ou neveu, ou nièce, tonton, ma tante au Canada, ou après entrer directement dans l'immigration, ou demander asile, et après tu rentres. Okay. Cependant, si tu demandes asile déjà aux États-Unis, demande asile ou pas recevable au Canada. Ça va veut dire après tu rentres, non? Il y a après tu rentres, il y a bon bagage qui est erreur. Erreur, c'est l'évaluation des risques avant renvoi. C'est-à-dire, avant d'avoir retourné à Haïti, il y a des fonctionnaires qui pourraient évaluer des mandats. Mais quand on parle avant là, Haïti sous moratoire. Ça veut dire moratoire, c'est gros français. Moratoire, le Canada mette un pays sous moratoire. Il dit pays où il y a un problème. Pays où dans l'insécurité. Ou mandat d'asile ou pas bon, vrai. Ou comment nous là, ou demande d'asile ou pas bon, mais nous pas qu'à vous retourner parce que pays où en danger. Ou risque pour mourir sous tourner. Mais même si demande ou fait, il n'y a pas accepté, il y a qu'un bon dans le pays, il n'y a continuer de travailler. Présentement, Haïti sous moratoire, si vous demandez asile dans la frontière, demandez asile à pas accepter, il y a qui sont rentrés et vous avez permis de travail jusqu'à ce que vous allez dans l'autre catégorie parce que vous allez rentrer dans cet état. Mais, sous ces criminels, même si Haïti sous moratoire, vous n'avez pas de kebou, il y a pas de billet d'avion pour cadeau, il y a mettre dans l'avion, il y a retourné dans le pays. Présentement, moi j'ai des clients présentement qui se trouvent en prison, soit ils ont été bâtis, ou bien soit ils ont été en état d'ébriété. Ou bien soit arrêté, fait violence sur le monde, ça c'est un crime nié, des bonnes criminels, ou fin de prison, donc on va protéger pour tourner à Haïti. Et des bonnes criminels, même si vous demandez asile déjà aux États-Unis, leur vie au Canada, des bonnes pas recevables, mais il y a qui sont rentrés pareil, et on va avoir permis de travail. Et ma pense pour qui te poser une question, parce que si vous demandez asile, vous bon, qui ça pour faire qu'on y a, pour venir régulariser. Est-ce qu'il y a une question? Ouais, non, me charge question. Ou a bien passé là, ou elle est à 8 heures, mais parce que elle est tellement là, me donne des gros paquets haïtiens de prendre un fou là, et mon cap cherche buzz sur les réseaux sociaux. Me donne des autres, ou on est, qu'on y a passeport pas facile à Haïti, non, là, gen moun kal fè prêt pour y'a fait passeport, me donne des gros moun qui dit yo, dégagez, ne fait passeport, même Jean-Paul Biden, non, moun kapote bourré Canada. Ou un pays difficile? Jamais. Pas que ça du tout. En tout cas. Pas que ça du tout. Pas de problème, non. Ah, mais merci, oui, pour rectification, mais n'a comprenne. N'a comprenne pour nous connaître comment qui est pour nous tendre sur les réseaux. Moun ka fait fou laï, kap créé buzz, fait zin, n'a connaît pas aidé à aider. C'est au contraire, à gaspiller n'bito. Ok? Maintenant, on garde ça, ou t'as parlons bon bagay là. Sous la vie, comme si moun ki rive Canada, Canada, possibilité justement pour yon vin légal nan paysan. Parce que gen pile moun ki sorti Chili par exemple, qui rentre États-Unis, qui passe par frontière Mexico, qui rentre États-Unis, mais qui parete États-Unis
parce que yo di yo estime li pi facile et pour yo joindre document Canada que États-Unis. Donc qui ça qui bay facilité ça dans pays Canada que États-Unis? M'pa konnen sou te konn fè comparaison ça tété l'autre Haïti. Ou a toujours c'est diaspora États-Unis qui fait beaucoup de choses en Haïti. Ouais. Très rarement avec nous diaspora Canada fait beaucoup de choses. Ah mais c'est vrai. Les États-Unis c'est capitaliste. Et dans tête liste là oui. États-Unis, Chili et deux pays de voyer plus comme en Haïti. Les États-Unis c'est un pays capitaliste à outrance. Cependant, le Canada est plus social. Là on vient comme visiteur. Et puis, on a dit, waouh, c'est un bon pays, hein. Une autre pays, et les plus du une pays plus développé, yo. Canada, c'est un bon pays. Ou bien, en France, États-Unis, là, ou bien Canada, ou après, mes pays. Certes, il fait froid. Maintenant, là, vous pas qu'à tout bagaille. Là, on a vu comme visiteur. Présentement, quand on m'a parlé avant, là, depuis février, je passe en loi, tout visiteur est capable de demander un permis de travail. Mais là encore, faut joindre une offre d'emploi validée. Faut joindre une entreprise. C'est plus facile. Pas de monde là au Canada pour une entreprise parce que tout est rien. Qu'est-ce que tu as ici? Au moins, si monde là, la visite entreprise, il va le vendre tête li, il y a un pile client, pendant là comme visiteur, il y a une jeune entreprise qui va yon offre de pouvoir valider. Après ça, il y a une cabinet, il faut permis de travail pour yon. Faut comprendre que moun ça, les fin de travail après 1 an, 2 ans, il cap mandé résidence pour le régulariser statut. Moun qui visite à toi, admettons que il te visiteur. La terre tremblée en 2012, c'est qu'on va qu'être visité au Canada. Le gouvernement dit, mais tout le monde qui était là dans le pays, il y a pas toute résidence. Toujours qu'est-ce qu'il programme, un programme humanitaire. La fois dernière, avec COVID, c'est qu'on va qu'être demandé d'asile qui peut qu'on ait papier. Puisque on travaille dans le système de santé, pour sauver la vie des Canadiens, le gouvernement dit, pour moi, compenser nous, tout le monde qui travaille au moins 120 heures, depuis que j'ai décrété COVID, là, le 13 mars 2020, de vous travailler 120 ans, il y a bon résidence. Maintenant, ça nous dit, moun qui vini comme visiteur, moun qui était venu comme demandeur d'asile, qui était avant le COVID. Maintenant, l'homme de l'asile là, c'est un juge qui va le déterminer, est-ce qu'il demande un crédit. Lorsqu'il vient devant le juge là, il y a deux choses, c'est soit bon ou pas bon. Sou pas bon, ou quand on appelle. Sou pas bon, on appelle, de vous que tu travailles, ou que tu monde, pas même peut-être un an même, ou qu'on demande résidence. Dans une catégorie où il y a considération humanitaire. Ça veut dire quoi? Ou à travail, ou pas criminel, ou payer taxes, ou que si moun, ou que madame, ou que Haïti, ou que si moun, ou paye l'école pour yo. Nous baye toute preuve ça yo. Et bien, moun, ça m'a de résidence. Entre 9 à 36 mois, moun, n'a pas de résidence. Gen l'autre moun, tout est venu comme visiteur, d'été, à visiteur, son célibataire lié. Et bien, chance pour lui, il a l'église, il a l'emballe, il y a nos ménages. Et puis, on remet, ni Maria Matam, ni Amarili, et bien, moun qui est papier, a bail notre papier. Donc, de toute façon, ça y est, pour capable de jouer, pour régulariser le statut, ni vraiment, même si vous demandez à dire, il va être bon, il prend un appel. Si vous demandez à appel, il va bon, il prend le mandat de s'endarrer, résidence, la catégorie humanitaire. Mais pourquoi ta moun yon, kou y vini? Le moun yon vini Canada, contrairement, moi-même, ma pkaye de sa passe Mexique, au Texas. Américains, douaniers, ils recevront mon tapis en plastique pour le couvrir. Canada loue hôtel 5 étoiles pour mettre. Oui, c'est vrai. Depuis que vous traversez là, c'est dans l'hôtel que vous mettez. C'est vrai. Depuis que vous traversez là, automatiquement, les démons ont fin recevable, ils ont un chèque. Et pas full sans pour manger, non? Ils ont un chèque. Ils ne doivent pas en pile. Mais par exemple, quel pays au monde qui fait? La France pas fait, les États-Unis ne fait. Ils ont un chèque. En fonction combien de monde qui est formé là. Dès vous finissez d'asile là, ou qu'on couvert de santé, sous pas l'hôpital, l'ambulance, les postes sont c'est couvert par le gouvernement. Donc, quoi, imaginons que tout avantage ça, on va venir de l'autre côté, c'est à faire mounir le Canada. Le gouvernement prend soin. Le Canadien très accueillant, il accueille mounir. Et puis jusqu'à ce que. Et puis, haïtien lui-même, même soit bédel, au moment où tout permis de travail est venu, il a quitté l'aide sociale là, pour le travail. Nous pas besoin de aider nous. Nous avons besoin de nos opportunités pour nous travailler. Vous avez shooté ce moment-là sérieusement. Vous comprenez? Nous avons besoin de travail, nous avons besoin de travail. Les clients, depuis que nous avons travail, nous courons le travail. Nous disons, ouais, fait, merci beaucoup. Vous avez aidé pendant 3, 4, 5 mois parce que nous avons permis de travail. Ouais. Et puis, nous avons permis de travail, nous avons venu. Nous quittons les Tibaïs, les bénéfices sociaux, mal travail. Donc, c'est pour toutes raisons, ça, qui fait que si nous avons de 0 à 18 ans,
si moun yo pral l'école, ko gen papier, ko pa gen papier, piti tout pral l'école. Tout mineur de l'école. Yo tout gon couvert ki santé, c'est pour toute raison ça qui fait que moun yo yo pa arrêté aux États-Unis, yo vin Canada, yo vin dans un meilleur pays au monde et dans un pays qui a plus chance pour que régulariser papier. Ouais, c'est voilà. Non, sous base ça, ou gen raison. On pas dit ouais. Non, gen raison et pour frapper. Ou frapper nous fort. Non, frapper nous fort, gen raison. N'a plus vérité. Non, ou gen raison. Kounya, on garde ça parce que ça li important tout. Pendant on parler de permis de travail là, combien de temps consent un monde prend normalement le pile Canada pour le capable gagner et gens de capable dit social li ou bien permis de travail. Combien de temps ça prend comme ça? OK. Et au début de l'année 2022, c'est quand pile de monde qui l'a rentré, c'était tellement que monde, il y a monde qui fait n'importe 2-3 semaines dans frontière pour être capable parce que c'était Covid tout. Ouais. Et on comprend c'est qu'il faut être dans quarantaine, à mon courir mettre dans quarantaine, ça mettre dans hôtel, travailler à terrain. Et puis c'est immigration Canada pas tellement up to date en matière de technologie. C'est pas dans Covid là, ils commencent à faire bagaille en ligne. Mm-hmm. C'était toujours sous papier. Donc, ça te prend bon petit temps avant mon jeune permis de travail là. Mais par contre, gen moun tout, aussi longtemps qu'elle peut qu'on fait test médical là, il n'y a pas qu'à avoir permis de travail. Okay. Ça, c'est en matière de santé publique. Le gouvernement dit, pas qu'à avoir le travail dans le monde, pour autobus, pour métro, par contre, sont malades. Faut finir fait test médical là. Et puis, santé publique, jeune résultat, sous pas malade, ou jeune permis de travail. Longtemps, c'est qu'on long. Il sait que tu as pris 6 mois, 9 mois. Mais maintenant. Par contre, Kounia, si on arrive dans la frontière, même s'il faut qu'on présente des mandats d'île là, le bal permis de travailler dans moins de mois, au moins un mois et demi, deux mois. Le tout bal permis de travail là. Maintenant, l'on a permis de travailler là, Kounia, on va aller dans le bureau que le service Canada, là, on va le bon numéro social là, parce que ça prend un numéro social pour commencer le travail, parce que l'on va là pour le faire compte, pour le faire chèque pour vous, ça prend absolument un numéro social. Et puis, Kounia là, permis de travailler sorti rapidement. Mm-hmm. Très rapidement. Très rapidement. Yeah. OK. Contrairement au début de 2021. Correct. Non, nous avancé vers la fin, mais bah mando ça parce que me vinn comprendre réalité en pile monde préféré aller Canada que y aurait été États-Unis. Bon, en pile monde Haïti qui attendé là, qui gardé là, on pas connaît, il dit monsieur, et puis tout Canada ta font jamais en garder ça. Ou dit que Canada contrairement aux États-Unis yo pas prend moun comme si sou gon fiancé ou ki Canada a gade gan pile nèg ki nan kouri la. Ali si e fiancé ou gen ou pa nan bataille. Non, faut placer be marié. Rete. gen fiancé la ki nan kouri net la, yo pas soin. Oui, yo pas fiancé. Rete, pas un problème. Non la. Pa gen tonton matante tout. Tonton matante, pa pas excuse moi, cousin cousine pa la dan. Sou vient de frontière c'est cousin cousine, il pa la dan. Donc mais par contre tété, attendez bien. Mwen trop moun yo di a mwen se wate moun nan biyo mwen vou etounen, e a di yo vou e fam yo etounen. E pa lò rive nan fote ya moutou konto ton matat o Canada. Fogue tan ge papi yo nan men ou lò rive pou ba yo. A jen papè di ta moun ki rive nan fote ya di a mwen kon matat me, ki nol, kote l rete, kote adres li, kote ak pase, pou fè liye yo, son ak denesans. E trez important, ou konen riti pale de piti de yo, gede moun ki de piti de yo, ou te que tu as gagné tonton au Canada, si tu as gagné même notre famille avant, ou petit théo, voilà, non? Quand tu es petit temps, vous pouvez avoir un lien, oui. Par exemple, si c'est frère mouillé, si c'est même papa avec nous, même notre famille, si c'est même maman, nos mamans, nous, apprenons des actes de naissance, yo. Faut faire lien. Donc, à cette immigration, faut faire lien. Et placer, c'est pas parce que tu dis non, non, mais avec tes débuts, non, non. Placer, faut te prouver qu'on te vive pendant un an, mon nom. Comment approuver ça, là? Ok. Gen moun, depuis avant le devini, et puis, tendez bien, oui, tete. Tout moun qui te font des mandes ambassade américaine, qui font des mandes dans le consulat canadien, les États-Unis et le Canada partagent les informations. Oui. En matière de géopolitique, le Canada, ce n'est pas un grand pays. Et, tendez bien, ça m'a dit là, l'homme moun a vu demander un visa canadien. Ou pas prendre un permis d'études, yo vo fon bagay ki rele biométrie. Ouais. Ou bayan près tout à Pétionville, yo vo le département d'État. C'est le département d'État qui étudie en prêt pour le Canada. Après ça, le voye le poste au Canada, il dit Canada, moun sa sev. So dim la? Non. Pas pressé. Ouais, so di la important. Parce que kon gen moun kalman de visa américain, yo pa bayo. Et puis allemand des visa Canada gen moun tou yo pa bay konsa tou kon gen moun ki yo bay
Ça veut dire que yes. Partage d'informations entre États-Unis et Canada, donc son bagage que vous faites par rapport à Mounan, tous les deux pays ont gagné données Mounan en main. Absolument. Attendez, de vous passer aux États-Unis, vous venez ici, et l'immigration Canada par l'écrit, l'immigration américaine, vous voyez, puis pas de Mounan, vous voyez le Bali. Vous partagez d'informations. Il y a des services, c'est pas Canada qui fait, c'est États-Unis qui fait au Canada. Alors, là, alors non, avant avancé, parce que là, par rapport à ça, nous, il y a moins qu'à dire. Là, il y a un petit problème, parce que si nous avons partagé des informations, sous qui base Canada sanctionne une série de monde, et puis États-Unis, même, regardez, il y a rien d'avec, alors que vous avez même donné, on quitte ça. On ne retenait pas, nous. Non, on ne retenait pas, Tibor, là. Ça on ne retenait pas. Et là, on ne retenait pas, nous. Tenez bien. Tenez bien, Maldou. Il y a un monde qui a green card aux États-Unis, ou résident, la pointe de Canada sans visa. Oui. Il va mettre visa Canada pour l'entrée. Je fais ça, je fais ça. Il y a un monde qui réside au Canada, pas qu'en États-Unis. Oui. Donc, États-Unis, pas qu'il y ait information sur lui. Je sais, oui. C'est vrai, son dia, il fait expérience là, je connais. Ou qu'à rentrer au Canada sans visa, parce que le Canada dit, sous qu'à rentrer au Canada, les États-Unis passent au pays fait, vous avez besoin de deuxième contrôle. Ouais. Cependant, le résident canadien ne peut pas rentrer aux États-Unis, il doit demander un visa. Carrément, oui. Je sais si bagay ça, oui. Oui, et puis, pour que des clients qui disent, mais les hommes là, ils disent, mais Jean-Marie, vous êtes bien prêt, moi. Et à Port-au-Prince, il y avait après tout ce bail là, Canada n'a pas gagné dans la base de données. C'est le département d'État qui voit notre balai qui dit Mounsa, ok. Comme quand nous avons vu Canada pour moi d'asile, Canada prend un emprunt tout pour le réel en base de données. Ça veut dire l'emprunt biométrique là. C'est l'environnement d'asile ici, Canada reprend, il va dire reprendre la prendre. Parce que sur ce bail là, c'est États-Unis qui gagne. Donc, puisque le pays a partagé l'information, de grâce, Moun qui parle d'agence en Haïti. Là, il faut demander, peu importe ce que vous devez faire, demander une copie de ce là. Par contre, qui ça va passer demain? Important. Sortez dit pour les États-Unis, vous pouvez préparer devant le juge, juge Abgayen, qu'on a un autre, non maman, non papa, non frère, non sœur. Là, demander visa aux États-Unis, vous doutez que quatre petites, qu'on a envie de demander des ici, là, on compte nous, non mais, vous ne pouvez pas prendre des vignes, vous ne pouvez pas faire faire ADN. Qu'on a dit, vous avez deux. Je dis, mais monsieur, je ne comprends pas. Ou te demande un visa telle date, ou t'ouge 4 timoun, mais quand y'a un monde visa là, ou y'a un monde d'asile, ou t'ouge 2. Vous entendez? Ou pas dans Temtem, qui est mon copie, dans le demande qu'on fait yo. Et puis, longtemps, c'était test sanguin, moun kon pratine vétinies, pas fait bagay sa yo. Ça, c'est fausse déclaration, ou a tombé dans ADN, et sous tombé dans fausse déclaration, ou a fait 5 ans, ou pas j'aime kamet yo au Canada. Wow. C'est très important, c'est conseil ça, m'le bay moun yo à soya. Non, mais son gros bagay ou dit là, parce que y'a moun qui pensait, comme si États-Unis et Canada, c'est deux bails différents, qui doivent bails mentir aux États-Unis, et le pensée, ils prennent gérer bails au Canada. Donc, attention, mes amis, toujours disant, mieux ça, c'est seul côté où pas bails mentir. Même genre, États-Unis, ici, pas bails mentir dans ARS. Parfois, il y a des gens qui tentent faire, mais je n'ai aucun bon à payer conséquence là. Oui. Donc, pas bails immigration mentir. Pas bails immigration mentir. Gros amis qui m'a dit, est-ce que, si en Haïti, est-ce que le cas appliqué pour asile en Haïti étant au Canada? Ok. Si le relais est Maurice Jean-Charles, oui, c'est une personne reconnue, son chef, leader. Mais aussi, si toi, il n'y a pas qu'à entrer dans l'ambassade pour asile, il va pas y mettre le dehors. Nous voyons exemple ça déjà. Si vous êtes un leader politique, on figure pour, vous pouvez entrer dans n'importe quelle ambassade ou demander asile. Mais un citoyen ordinaire n'y a pas qu'à demander asile, il y a pour que c'est tout haïtien. Oui, à moins qu'il y ait d'abord toutes tout 12 millions haïtiens d'asile parce que nous tout en bas de sécurité. Ok. Goza, non, on ne peut pas aller. Goza me dit, est-ce que mon TPS est au Canada? Il faut un visa. On ne peut pas aller. Non, tout dépend, oui. Et moi-même, dans la pratique, moi, je fais un pile de demande de visa pour mon TPS. Jusqu'à un moment où je te parle, beaucoup de jeunes jeunes qui gagnent. Ah bon? Vous comprenez? Beaucoup de jeunes jeunes qui gagnent pendant là-bas. Et par contre, si mon a étudié, les États-Unis, les gars ont visa étudiant, les gars ont un visa Canada, il y a balé. Oui, c'est vrai. Mais mon TPS, c'est pas mal. Ça va aller de mon TPS, c'est pas mal Canada, non? Sous là, bah, on a une famille ici. Mais c'est vous, nous venez, oui. Ok. On a demandé asile, nous venons de la frontière, on a demandé asile, il y a plutôt asile. Ça veut dire que vous avez une bonne famille, on a un bon problème. Vous n'avez pas de poussée. Vous n'avez pas petit dehors, vous n'avez pas petit dehors, ou la dame, direct. Oh, mais c'est un bon pays quand même, Canada. Bon pays. Mais Gontiba, il y a plein de l'autre bois, parce que on dit que
c'est plein sous l'argent comme si yo pas fait un pile cob. Mais écoutez, c'est pas besoin de cob. Mais quand de c'est une question de qualité de vie. Moi-même, mon aux États-Unis là, gagner le pas qu'avoir dans mon nom parce que l'un des jobs, trois jobs. C'est vrai. Mais ni très rare, ni très rare pour une monter dans parce que c'est ce que vous comprenez là-bas, caillou cher. Donc vous cap sous pas un vrai professionnel qui a fait l'argent, ou pas que soit fait des trois. Mais il faut garder vie à tout. Parce que la vie seulement, ce n'est pas l'argent. Il faut garder qualité de vie qu'on gagne. Hein. Tout malade, tout calme, ou pas mettre des bons assurances. Tout le monde, même quatre là, ou va à l'hôpital, ou va à l'hôpital, ou va soin, ou va passer ta main dans moi, petit tout, à 100 000. Mais c'est un choix chaque monde fait dans la vie. Il y a un niveau de travail, et notre deux jobs, trois jobs, et puis après ça, il va gagner madame, il va gagner mari, il va gagner petit. Ça, c'est choix pâle. Mais comme on dit, dans la vie, elle fait des choix. Et on ne peut pas tout avoir dans la vie. Vous comprenez? Ouais. Si nous devons de tout bagage, nous ne pouvons pas planter après la caille. C'est vrai. Dans la vie, on a dit, au Canada, fait fret, oui. Mais c'est l'âme, la sécurité, c'est l'âme qui a levé, madame, moi, petite, moi. C'est l'âme qui a grand avenir. Pays, je peux confirmer ça. Moi, je crois que je peux confirmer, nous, là. On a continué la bataille. Mais en attendant, c'est là, nous y est. Nous y est là, nous y est, puis. Il dit, nous, c'est Canadien, de dollars, Canadien, puis. Et nous parlons pas avec Américains, mais nous parlons aux États-Unis. Nous venons de la Canadien. Correct. Les mains de la Canadien, vous changez de la main. Si ma bon copain vous donne un équipe pour la Canadien, souvent les points de l'intérieur, c'est la vraie barre au US. Voilà la gueule. C'est une question de. Vous comprenez ça? Gardez écran, ou à vous non mettre là. Donc, sous ouvrez page là. Et Fom dit que, il y a un paquet de pages qui a copié l'émission, qui a passé. À partir de septembre, ça va le camper. Songez ma vertine, ça déjà, par exemple, Gon Chanel là, mon yon a commenté. M'a regardé, monsieur, il y a 2000 moun qui connecté live, alors que ce n'est pas vrai, pas Chanel, moi. Mon yon a dit merci, Tété. Par exemple, il y a Gladys Jules qui dit est-ce que moi sous bon bois, alors que ce n'est pas vrai, page moi lié. C'est son autre page lié, donc il passe sous bon bois. Ça dit que Gon paquet moun qui a commenté. Moi, il y a Herman Kaseyus. Gen Bernard Fenel, nous tous sous mauvais bon, nous pas sous vraie page là, donc son monde qui fait screenshot là, voyez bon moi. Remarquez, là nous sous vraie page TT par exemple, nous supposons que nous gagnons en bas, dans bas d'écran, un paquet de monde qui a défilé, qui a passé. Ça dit qu'il a passé sous bas là. Ensuite, moun m'a parlé par exemple là, ou après me gagner, mettre Jean-Marie sous écran là. Donc sous vraie page moi, et puis ou après ou bah yo pareil clair. Ou après vérifier qu'on est trip fou ou bien petit cosac TT. Gardez non page pour assurer sur vraie page nous. Donc et moun k'ap commenter sur channel ça donc ou pas sur vrai channel Tikozak Tetia. OK. Maintenant on garde là il pas deux moun k'ap mande numéro là non pas. Regardez moun numéro écoutez. Yo numéro sur écran là. Numéro bureau c'est 614 725 24. Ouais. Numéro cellulaire il te mettre les sous lui. Par contre il y a là à partir de demain 614 616-24, c'est mon cellulaire. 514-616-24. Si on ne l'aime pas répondre, on grand pile audience. Voyons un message sur WhatsApp, bon, ouais. C'est numéro WhatsApp, ouais. Voyons, me répondre rapide. Email, moi, cabinet, à commercial cabinet, à qui le ou bien, voyez, un texte, bon, ouais, sur 514-616-24, là, me répondre rapide. Et numéro après, dans l'écran, là, c'est numéro bureau. Et si vous n'avez pas la gloire personnellement, vous pouvez faire 514-616-24. C'est Jean-Marie Akil, consultant réglementaire en immigration canadienne. Moi, reconnu par le gouvernement fédéral. Vous pouvez faire une recherche là. Moi, reconnu par le gouvernement du Québec. C'est-à-dire que l'immigration du Québec, pour vérifier, ou après numéro permis, ou après nom. Vous pouvez aller dans le collège des consultants réglementaires en immigration canadienne. Vous pouvez mettre nom, ou après numéro permis, moi. Donc, je suis moi, autorisé pour m'accompagner, moun, que ce soit pour demande d'asile, permis d'études, permis de travail, visa visiteur, travail qualifié, ou à demander renouveler 4 résidences, ou à demander citoyenneté. Si un client, sous un client qui est en prison en matière d'immigration, je peux aussi intervenir. Nous avons intervenu devant la cour, la section d'appel de l'immigration, la section d'appel des réfugiés, la section de la protection des réfugiés. Et la section de l'immigration. Donc, son tribunal administratif, qui a 4 sections, moi j'ai compétence et m'autoriser pour m'accompagner tout client mieux qui t'a demandé au service. Ah ben ok, merci en pile. Gon zami qui insiste là, Haïti en premier, il dit que moi j'ai un monde qui t'a fait demande visa aux États-Unis, il t'a dit le marié, mais il font demande pour Canada, il pas dit le marié, il y a un monde visa qui j'en sa fait.
acte? Écoutez, là, maman va expliquer nos bagages. Vous avez rappelé longtemps, là où nous déposons des demandes, les femmes ne vont pas commencer à réunir. Là où nous déposons des demandes, ambassade canadienne, au bas d'une matière, nous venons prendre le pita. Dans 15 000 demandes, t'as dit que tu as dit la vie, ou un agent d'immigration pas qu'à faire vérification sur 15 000 demandes. Il y a des demandes aléatoires. Là, c'est chaque monde qui a passé dans un report ou qu'on code. Des gens qui ont toujours vérifié pour l'année 10 prochaines années, des gens qui ne peuvent pas vérifier. Vous comprenez? Pour que ce soit aléatoire. Vous comprenez? Donc, c'est même si vous avez des IRS, vous ne connaissez pas les revenus statistiques des États-Unis. Vous pensez que vous ne pouvez pas vérifier 200 millions de monde? Non, vous ne pouvez pas vérifier 200 millions de monde. Et ça fait des gens qui prennent au libre et puis c'est après 10-15 ans, vous allez prendre. Exactement. En tout cas, Jean-Marie Hercule, m'a rappelé, c'est consultant. Justement réglementé pour question immigration Canada. Donc c'est lui-même qui a parlé avec nous là, il y a un bureau à Montréal que n'a regardé sous écran, on capable contacter après l'émission dans 514 725 24 514 Jean-Audino Canada hein, 514 725 hein, et puis 24 2024. Eh ben, merci Jean-Marie, Gampil Baga au côté pour nous là, Gampil Baga que nous pas connaît et surtout programme que nous te voyons ici à le faire passeport qui donc programme ça li pas pour haïtien pour agriculture là. Donc yo pas prend haïtien là. Oui, pour septembre là et en janvier, n'importe employeur qui a appliqué pour n'importe qui monde à partir de 2024, mais pas gros formulaire mon doit remplir. C'est entreprise au Canada qui pour appliquer pour monde là. C'est très important. Ouais. En tout cas, merci infiniment. Bon travail. Et puis. C'est ton plaisir. Merci. Ton plaisir, Tété. Merci beaucoup. Parce que vous faites des milliers de monde attendre nous la soya. Ouais. Et vous connaissez pas grand plus de monde qui va attendre. Il y a des chiens par rapport à tout ça de Dio. Téléphone noir, vous pouvez vous répondre. Et puis, ce n'est qu'un début. Nous pouvons développer un partenariat à long terme. Merci beaucoup, Tété. Au nom de tous les membres du cabinet, Mimos Belad Hercule, Jean-Marie Hercule, Joseph Moïse Chavan, tout le monde, nous disons un gros merci. Merci, Kimbella, bon travail.